Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour nous commencer, pour aujourd'hui, chers frères, nous prenons un hadith. Quand un fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien sali, continue, ce qui nous prend la dernière fois, wa qini sharra ma qadayt. Deuxième partie qui nous faisait comprendre, quand nous pédions cette parole-là, une fois le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam persisé avec son compagnon, une personne rentrée, les villes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui commence à poser une question. Devant une question qu'il lui pose, il dit Ya Muhammad, fa akhbirni an al-iman. Ô Muhammad, fais-moi connaître c'est quoi l'iman. La personne répond, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa al-yawmil akhir wa al-qadri khayrihi wa sharri. Iman, c'est une croyance dans Allah, devant ange, devant livre, devant prophète, dans le jour du jugement, et te croire dans le destin, qu'il soit bon ou bien mauvais. Hadith il continue. Au fait, c'était Jibril alayhi salam. Le sixième, il dit Ali, wa antu'mina bil qadri khayrihi wa sharri. Chers frères, tous les temps, nous avons destin, qadar. Si tu demandes nous qui veut dire destin, je dis non, mais ça qui a l'air décidé. Ok, comment nous voulons croire là-dedans, l'os? Allah subhanahu wa ta'ala, première question qui définit créer, c'est la plume. Ensuite, définit la plume là, écrire. Plume là, demandez qui m'a pour écrire. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, Uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah. Écrire tout ce qui va arriver jusqu'à jour qiyamah. Là, la façon qui nous racisait, lens qui nous mettait, parole qui m'a peut dire, mouvement qui nous peut faire, pensée qui nous peut penser, ça joue là, plume bien écrire ça. Pour moi, pour où, pour tout le monde qui existe dans l'existence. Plume n'est écrire ça. Pour le monde, pour les animaux, pour les pieds, pour n'importe qui création qui est entre la terre et le ciel. Plume n'est écrire ça. Elle comprend qu'il est écrit à l'os. Mais c'est ça même qu'on appelle le destin. Mais depuis quand l'on écrit ça? Il écrit ça 50 000 ans avant qu'il écrit la terre et le ciel. Avant. Mais la terre et le ciel, là, n'est-ce pas combien de millions d'années ça? 50 000 ans avant, il finit écrire ça. Astère crée la terre et le ciel. Ensuite arrive l'événement Adam alayhi salam, envoie Adam alayhi salam l'eau la terre. Pour venir jusqu'à aujourd'hui, frère, combien d'années il allait là? Combien de millions d'années allé? Mais ça qui peut passer là, comment on appelle ça? Qadar? Non. C'est la même différence qui nous vient faire. Le destin, Qadar, c'est sa prédiction qui peut arriver là. Mais quand il prend place, ça n'appelle ça Qadar. C'est pour ça. Nous dit Al-Qadr ou Al-Qadr. Qadr, c'est le moment, l'air, la place qui, ça qui Allah a décidé peut prendre place. Ça s'appelle ça Qadr. Qadr, c'est depuis quand il écrit ça. Ça, il écrit ça de nous Qadr. Nous voulons qu'on fait bien la différence à ce dire. Parce que ça qui t'y écrit, ça livre là, quand tu as plus bien écrit là, ça même qui appelle Lawhil Mahfouz. Veut dire Lawhil Mahfouz, Allah subhanahu wa ta'ala finit sa plume là écrire, d'après Allah subhanahu wa ta'ala sa connaissance, tout ça qui peut arriver jusqu'à jour Qiyama. Il écrit tout là. Dans sa livre là, d'un petit bout là-dedans, elle gagne nos naissances, elle gagne nous la vie.
Nous la donnons, nous la donnons. Ce livre-là, net comment appeler? C'est ce qu'on appelle l'Lawhul Mahfouz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lawhil Mahfouz. Ça, c'est la place qu'il écrit, Umul Kitab. Il écrit tout là. Ensuite, quand nous devons nous mamans, le 120e jour, 4 mois, Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, wa inna ahadakum la yajma'u fi batni ummihi 40 yawma nutfa. Chacun parmi eux, je dois devant votre maman 40 jours en goutte de l'eau. Thumma yakunu mithlu dhalika mudra. Sorry. Thumma yakunu mithlu dhalika ghalaqa. Ensuite, il vient un caillou descend, le même nombre de jours, veut dire 40 jours. Thumma yakunu mithlu dhalika mudra. Ensuite, même nombre de jours, il vient un bout de la viande. 40, 40, 40, il fait 120. Le 120e jour, Fayur salu ilayhi malak, Allah envoie un ange. Fayun fahu fihi roux. Allah subhanahu wa ta'ala souffle roux là-dedans. Là qu'ils enfants là commencent à bouger. Là qu'il est un garçon ou bien une fille. Là comme ça, quand aujourd'hui la science dit où il est capable, dit où qui s'en a, qui peut gagner un garçon ou bien une fille. Dit il n'est pas qu'on souffle roux là qui a besoin de dire ça. Avant son 20e jour, qui a besoin de réussir dire ça. Parce que le 120e jour, il finit de souffler à ce pour finir qu'on n'est pas un garçon ou bien une fille. Ensuite, on sait qu'on finit de souffler qu'il y fait. Fayuk tabu hamaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa saridun am saqiyun. L'écrit dit mon assoba action, l'écrit ce qu'il a pour vivre, l'écrit son risque et l'écrit est-ce qu'il est pour joyeux ou bien triste sur la terre. On sait écrire ça. L'écrit toute possibilité qu'il y a pour ces enfants-là. Ces enfants-là, c'est nous. Hein? Ces enfants-là, c'est nous. L'écrit ça. Combien nous arrivons d'écrire pour nous là? Deux. Et là, c'était quand? Qu'est-ce que c'est? Dans l'Lawhul Mahfouz. Il mentionne nous là-bas, oui non? Deuxième, c'est quand? Devant nous, maman. Cinquième, troisième, là, côté astère. Hein? Dans Laylatul Qadr. Frère, il faut dire nous qu'on pense à synchronisation. Nous croyons ça. Dans Laylatul Qadr, qui passe? Nous disons la tout le code, la nuit du destin, la nuit du destin. Ok, la nuit du destin, c'est quoi? C'est dans ça la nuit-là qui reboule à la mine pour décider tout ça qui peut arriver nous sans aucun choix. Dans ça la nuit-là qui décide tout là. Quand nous t'y devons, nous, maman, nous t'y encore un choix. Quand ça ange là, il écrit. Si pour mettre l'école Valé Piteux, ou bien pour mettre de la salle, ou bien Diego Gorcha. Quand il vient grand, secondaire, tu peux avoir dit Razak Mohamed, tu peux avoir dit Royal, tu peux avoir dit Islamique. Ça va pour. Parce qu'on ne peut pas avoir le futur, lui. On ne peut pas le futur, lui. Mais quand arrive là, tout le code, c'est Allah qui décide ça, lui pour l'école Valé Piteux. Et quand... C'est Allah qui décide ça, la frère. Veux dire, dernier coup là, c'est quand Allah décide ça. La cause, dit, nous passons de l'ibadat. Comme Abdullah bin Abbas, il dit Allah, nous dit, nous, dans ça, la nuit, la même, qui Allah a décidé que c'est un qui va faire Hajj, que c'est un qui va pour aller. Allah dit, un tel va faire Hajj, un tel non, un tel va faire Hajj, un tel non. Dans la Khod qui décide tout là. Ça, nous, troisième étape du destin. Yako Kadar, la cause, peut lire la Khod. Yako Kadar, peut prédire. Mais seulement quand arrive sa jour, dans la tour, quand il décide pour faire Hajj là, les temps, on va téléphoner, on dit, on connaît. On connaît au numéro loin même, mais seulement, on va refuser, mais nous n'arrivons pas. Est-ce que vous pouvez faire Hajj? Pas dire moi. Mais qui devait gagner ça? Alain, qui décide ça pour toi? Mais ce moment-là, ça n'a pas comment appeler Qadar, ça n'a pas appelé ça Qadar. Mais dire, Alain décide à se dire. Alain décide là. La peine a changé la frère. La peine à songer là. Qui fait rien pour autant comme ça? Nous prenons un exemple là. Fais comment dire, outil la case 6h15. Ou pour faire Maghrib ou hein? Ou on a le choix pour venir ici, pour aller à l'Ouadi,
pour Allah Boubacar. Nous prenons Mazid devant les pitiots. Où est dans le choix? Vraiment, tu es. Qui qu'un obligé pour venir là? Où est dans le choix? Si moi tu es à l'Almizan, capable après la manche, moi tu veux donner un dimoun, moi tu peux quoi? Qu'est-ce que c'est? Si moi tu es à la Boubacar, capable après la manche, moi tu peux sortir, moi tu passes la pharmacie. Et n'a pas de possibilité, tu vas arriver, oui ou non. Mais seulement Allah il décide quoi pour moi? Pour moi, vin? Veut dire comme on peut venir ici, là, comme on peut venir ici. Qui peut prendre place là, nous, là? C'est ça qui Allah in? C'est ce qu'on appelle Qadar, frère. Il n'est plus Qadar à se dire. Qadar, c'est quand il prend encore arriver. Mais quand l'action prend place, comment on appelle ça? Qadar. Relier ça qui nous a arrêté la dernière fois. Juste pour moi comprendre, cher frère, toutes choses qui m'ont envie de faire. Dernier, c'est ça qui décide ça seulement. Nous commençons avec ça qui décide tout. La cause, dans le surat Takwir, sur la fin qui nous lit, Wama tasha ouna, continue à se dire. Illa, en yasha, Allah. On comprend sa condition là, quand vini là. Ou capable de venir, non, mais voilà, loi, disons, je vais aller, je vais aller. La case, un canne est tombé malade, t'es obligé de sa case, pour amener l'hôpital toi-même. Parce que c'est pas toi qui décide ça. C'est ça qui décide ça. À ce que nous pouvons comprendre qui fait, n'importe qui quelque chose qui nous dit pour l'avenir, qui nous vient dire, Inch'Allah. Parce qu'il faudrait Allah ouler, quand il ouler, dans nos qadar et n'ali, arrive un moment avant ça prend place, ça même qui a peine de faire les vins qadar, l'estel décide, oui, ça arrive. C'est là que ça prend place, frère. Et ça paye, n'a personne et n'a l'autorité, l'oula, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous pouvons dire, l'idée de la 8 heures, oh Allah, quand tu peux décider, pour tout seul qui décide pour moi, l'eau salaté, la peine à personne qui décide pour moi. Veux dire, situation qui nous était aujourd'hui, frère, sans cette décision, ça. Nous satisfait, oui, non? Dis Alhamdulillah, l'os. C'est Allah, cette décision qui a aujourd'hui, mon malade, oui, non? C'est Allah, cette décision qui a aujourd'hui, mon petit problème, oui, non? C'est Allah, cette décision qui a aujourd'hui, mon tracas, oui, non? C'est Allah. Vraiment, tu? Parce qu'il parle lui-même qui nous t'a conduit, le moi? Dis Alhamdulillah, parce qu'Allah se décision bon tous les temps, dit oui non. Et là, frère, c'est un qui m'a besoin de dire, comme on peut dire, là, c'est un qui m'a besoin de comprendre là. Ou Allah, certainement toi te décider, puis il y a une personne qui peut décider contre toi. Qu'il y soit le jugement, qu'il y soit l'eau, sa décision qui finit prend là. L'eau nous prend depuis avant, c'est-à-dire depuis le mot qu'on doit venir, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Wakini charra ma kodait. Prenez depuis avant vous venir sire. Wakini charra ma kodait. Voilà, protège-moi. Koudban, kadwa qui te poufir. Parce que quand Allah décide, qui quelqu'un vient là, mais s'il peut décider de mal pour nous la frère. Si Allah subhanahu wa ta'ala demain, il peut décider de mal pour nous. Qu'est-ce qu'il y a sans ça? À part 10 li. Dernière petite chose qui nous apprend à se dire, c'est quoi? Ce hadith qui dit à nous, peine à n'envoyé qui change Al-Qadar, excepté dehors. Comment on comprend ce hadith là, c'est-à-dire? Mais pas lui-même qui peut prendre des décisions là? Pour faire ça passe là, nous? Mais l'état nous peut causer, nous peut supplier, nous peut implorer. Oh Allah, mais pas décide ça, pas décide mauvais pour moi. Décide ça. Il y a une capacité sans ça là, oui, non? Il y a une capacité là, frère. Quand l'action est décidée, depuis dans l'oril mafouz, vine dans ventre nous, maman, avec dans l'état de tout le code, ça n'appelle ça qadar, destin, ça qui vous venez de plus devant. Nous ne disons pas qu'on est dans le destin qui n'écrit, ça qui n'écrit, ça aime. Ok, mais le jour, le moment, l'air, la place qui lui prend place, ça n'appelle ça qu'avoir. Allah subhanahu wa ta'ala se vouloir, il n'arrive à se dire. Et ça fait un non qui passe l'eau sur la terre, là, frère. Faudrait Allah in yakdoui. Faudrait Allah décider qui ça veut prendre place. Qui est bon, qui est mauvais, faudrait Allah qui décide ça. Qui est bon, qui est mauvais, faudrait Allah qui décide pour que quelque chose prend place sur la terre. Pena non, ou bien moi, l'intriqué, l'incoquin, l'in. Faudrait Allah décider pour que quelque chose passe sur la terre. Peine à non qui passe l'eau la terre. Faudrait Rabbul Alamin, li yakdoui. Faudrait lui décider ça.
Il y a là ça quelque chose à prendre, prend place. C'est pour ça qu'il nous demande protection, chers frères. Contre ban quelque chose qu'il est capable de décider, il a tout droit de là. Mais c'est moi, nous ne nous parlons aucun du tout. C'est pour ça qu'il nous dit, wa qini sharra qadai. Wallah, protège-moi contre ban mal qui te peut décider pour moi. Veut dire, même si tu ne décides li mal, fais-moi accepter li si besoin. Ou bien si besoin sans li, fais-le venir un bon pour moi. Et inshallah lundi, nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.